Boum. Bonsoir. Oh putain, c'est compliqué. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la reprise de City Forever. La reprise normalement des streams aussi de le soir, voilà, parce que ces derniers temps c'était un peu compliqué. Je suis content, voilà. Je suis content de reprendre les streams et je vais sans doute éternuer dans pas longtemps, donc je vais appuyer sur ce bouton là, voilà. Ok, non, bon bah tant pis. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc ouais, effectivement, donc salut Roaro, salut Pixel, salut Jamais de Bol, salut Kaidou Pedro. On va essayer de finir ce jeu. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait un moment qu'on l'a commencé quand même, hein. Donc voilà. Je sais plus, c'était quoi? C'était Forsaken Bay? Je sais plus c'était quelle partie qu'il fallait charger. Totalement celle-là. Donc on est arrivé à la fin, c'est un boss rush. Où on peut enfin tuer les boss. Donc on va essayer de s'acharner. Et sinon, bah oui, hein, la GDQ c'est fini. Ah, c'était bien, hein, c'était bien. C'est bien marré. Je crois qu'ils ont encore battu leur record, hein. Leur record de dons. C'était fou. Vous étiez fou. C'était encore une fois un plaisir d'y participer. Alors j'ai essayé de me concentrer parce que en vrai c'était un boss rush, mais c'est vraiment un boss rush qui rigole pas, quoi. Hein? Ah oui, puis oui, donc du coup jamais de bol, je vous raconterai aujourd'hui comment j'ai failli perdre mes 10 doigts. Mais pas trop d'un coup, hein. Pour l'instant on va se concentrer sur le jeu. Bientôt Forsaken à la GDQ. Oui, jamais. Non pas que le jeu soit mauvais, non pas qu'il doit... Je pense que le speedrun doit être intéressant. Ça c'est pas le problème. Mais c'est que si j'avais à présenter un jeu à GDQ, ce qui n'arrivera jamais, parce que j'ai pas le niveau, voilà. Je parle même pas des considérations financières ou autres, hein, j'ai juste pas le niveau. Mais si jamais, je préférerais claquer... Un Princess Remedy ou un Kaio Flying Squadron, voilà. Sachez-le, c'est dit. C'est dit. J'essaie de me stuffer un peu parce que le boss il fait mal, hein. En vrai, dans la vraie vie. Avec cette musique démoniaque, hein. Ah, et salut Gandalf. Ah bah y a pas de soucis Gandalf. Oui oui, c'est ce que je disais, c'était bien. C'était bien, c'était bien. Ah bah moi j'étais pas que le soir dans la journée le s'y fait des trucs en... Bah là par exemple à ce genre d'horaire là, 22h. Oh, oh bah... Pardon. Mais ouais c'était vraiment bien. Je suis content de certains trucs qui se sont passés dans les coulisses aussi du French Roast Stream. Il y avait vraiment la bonne ambiance. Cette édition-là, là, j'aurais vraiment l'impression qu'on... Que tout le monde s'est fait plaisir. Enfin, c'est moi l'impression que j'ai eue. Elle est peut-être fausse, hein, mais...
Il faut lui tirer dessus. Et à un moment, il se barre et il va se suicider. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu de ce boss. La flûte FF8 était stylée. Si vous avez vu la GDQ, n'hésitez vraiment pas à remplir le formulaire des retours. C'est vraiment important. Hein. On les lit vraiment. Enfin, on les lit. Ils sont vraiment lus. C'est pas moi qui gère, mais ils sont vraiment lus. Et il y a vraiment des trucs qui en sont sortis. Le système d'ambianceur, c'est un truc qui est venu de ce formulaire. Les efforts sur le layout, c'est aussi... Parce que c'est vraiment le truc qui revient le plus sur les formulaires. Donc faut pas hésiter. Et la flûte sur FF8, j'avoue, je l'avais pas vu venir alors qu'en fait c'était évident. Ouais, le missile il a fait 6 fois le tour de la Terre pour m'allumer quoi. Essayer de les détruire. Ah merci Jamel Ball, super. J'ai plus d'énergie pour mes missiles. Pour détruire les missiles, pardon. Eh bien, Gandalf, pour te répondre team premier degré, oui, tu peux remplir des formulaires pour aller à la GDQ. Aucun problème. Pardon. Alors j'ai la tête en cul, je suis fatigué. J'aimerais bien que le jeu se finisse aussi. Hop là, eh ben, j'ai pris en pleine gueule le missile. J'aimerais bien passer à la suite et avancer un peu là. Et j'ai plus d'énergie, ça me rend triste. Et merde, oh merde, oh le boss se déplace. Donc voilà, il se déplace et après il faut le suicider en fait. Je vais partir du principe que c'est le dernier niveau et que si je perds une vie, c'est pas grave. Et que je peux recharger à tout moment, donc je vais mourir. Je vais totalement mourir. Donc là, c'est quoi? Much weightier weapon. Alors mal droïde, je me souviens plus. Mag. Lancer des tasses. Bah tu m'étonnes qu'il crève pas le boss. Si tu l'attaques avec des tasses, forcément ça marche pas.
Je me souviens même plus. C'est quoi déjà ce boss? Je me souviens de Dreadnought. Voilà. Ensuite, much wait your. Ça veut dire qu'il faut que je fasse tomber un truc sur la gueule, c'est ça? Oh bordel! Qu'est-ce que c'est que ce boss? Aïe. Ça fait le bruit de la porte qui s'ouvre, mais ça s'ouvre pas. Ah. Il est trop fort. Oh bah. Non, voyons. On va déjà essayer de voir comment on les bat. Et ensuite, on va essayer de le faire sans se faire poutrer trop la gueule. Ok, super. Merci. Ah mais j'ai un Golden Power Pod. Ah mais je ne savais pas. Bah je l'ai juste défoncé en fait. Ok. En fait je lui ai juste tiré dessus et je lui ai défoncé sa gueule. Peut-être avec le Golden Power Pawn. Ah. Alors attendez, je me souviens qu'il faut passer pas loin. Voilà. Voilà. Et ensuite salut. Je crois que lui il est pas dur. Allez, on se met là et on le bute. Et on le bute et il meurt même. Elle est où la dernière tourelle?
petite tourelle. Ah! Regardez pas au bon endroit forcément. C'est bon. Et là en fait il se barre et... Et ça devient facile. Peut-être. Ou pas. En fait, il fait des tours, c'est pour ça que c'est pas... Enfin, normalement, c'est pas compliqué, quoi. Là, c'est là où il y a la balise. Par contre, Geneviève, t'es où, là? Parce que, bon... Il fait le tour, faut que je le rattrape, faut juste que je continue, et je vais le rattraper. Si je le prends par, enfin si je fais demi-tour, je vais me le manger en pleine tronche, et je pense que je vais pas apprécier, donc je vais juste tranquillement le rattraper. D'accord. Je pensais que j'étais en mode... En mode rocket launcher justement. En fait avec cette arme là j'ai même pas besoin de viser en fait. Parce que le rebond va sur le boss. Bon après je lui tire des petites roquettes en plus mais... Mais ça c'est mon cadeau de bienvenue. D'accord. Je me suis... Tirer tout seul dessus avec mon missile à gravité. Parfait. C'est parfait. Et alors les mines, elles ont la couleur des... Les mines, elles ont la couleur des recharges d'armes. Je me suis fait avoir plusieurs fois. Mais non. Et est-ce que je puis-je juste tirer dessus et il explose? Ça serait cool. Et normalement il y a un Golden Power Pod. C'est ça que je comprends pas. Il est où? Ah bah il est là. Ah. Je l'avais oublié. Bah, il va se finir quand je vais retrouver le boss, mais c'est pas grave. Il va totalement se finir avant que je retrouve le boss. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai pu tirer 3 fois pleine puissance sur le boss. Bon, de toute façon, j'avais déjà mes trois améliorations, mais il y a des petits orbitals qui auraient pu... Qu'aurait pu faire du digo.
Donc voilà. Et là, il... qu'est-ce qu'il fait? Il se barre. Qu'est-ce que je dois faire? Ça, là, ça, c'est la face qu'on nous laissait pas faire. Oh bordel! Bon, je le tue! Comment te tue-je? Comment le tue-je? Ah, je ne sais pas comment le tue-je. Pas grave. C'est pas grave, c'est pas comme si j'avais autre chose à foutre ce soir, de toute façon. Si quelqu'un a une idée, j'ai peut-être un interrupteur que j'avais pas vu. Ou peut-être que j'aurais dû lire ce qu'il disait avant que je rentre sur le boss. C'est peut-être ça. Ce serait bien que je perde pas de vie sur le premier. Ah, vous me dites, mais que fait-il? Cet homme est fou. Mais non, tout est calculé. Je fais en sorte d'avoir plus de puissance de feu pour détruire les ennemis, comme ça je consomme moins d'énergie, comme ça j'ai de l'énergie pour battre le boss. C'est un plan génial, sans faille et infaillible. Après, la personne qui l'exécute, c'est une autre histoire, mais le plan en lui-même, il est infaillible. Bah ouais, mais non, ça marche pas. Ça serait trop simple. Ça serait beaucoup trop simple si les boss mouraient quand on leur tirait dessus. Arrêtez de dire n'importe quoi, quand même. Vous êtes fous. Oui, alors pardon. Depuis quand il y a autant de tanks ici, là? Sinon, tu sors de ta planque un peu, le boss, ou... Ok, ça sent la grosse banane. Je vais crever. Bon, attendez... Ça ne va pas du tout, ça. Des trucs. Bah c'est la dernière, donc
Je savais que ça allait être chiant un boss rush. Je le savais. C'est dans le nom, c'est boss rush. Boss rush, il y a un moyen de l'écrire pour que ça s'écrive comme chiant, je suis sûr. Voilà, sache. Il suffit de chercher. Ouais, ouais, Shillo, je sais, je sais. Salut Rist. Mon Dieu. Mon Dieu, c'est terrible. C'est terrible, Luris, tu as oublié... Ah ouais, j'allais dire, voilà. On dirait que t'as oublié une partie de ta blague. Et c'était vrai. Non mais voilà, là je suis en weapon energy low. Donc ça ne va pas. Mais sors de ta planque là, Hervé! YOLO! T'as la sucée! Je sais pas si dans ce concept. Dans ce contexte-là, c'est vraiment le mot à employer. Mais bon. Mais pourquoi il vient déjà? Arrête de venir déjà! Bah bravo! Ah ça sort les blagues faciles quoi, super! Eh mais sans déconner, ramène ton cul. Ah! Ah! Bah non. Là, le but, c'est de les détruire, pas de survivre. Ça, c'est ce que j'ai fait la première fois que je l'ai combattu. Mais nous n'en sommes plus là. C'est bizarre, ça. Parce que justement, le boss, il venait d'avoir une phase qu'on n'avait jamais vue. Donc. Je pense qu'il faut faire autre chose. C'est chelou. Ou alors, c'est de la merde. Non, pas mission 5, justement. Dernière mission. Un god mode, on t'en voudra pas. Moi, je m'en voudrais. Ou alors, s'il y a un moyen de farmer les vies. Tiens, en fait, s'il y a un moyen de farmer les vies, c'est gratos. Hein, parce que du coup, tu fermes plein de vies et puis. T'arrives, tu bourres comme un gros porc. Et t'es bon, quoi.
Je vais pas prendre le shield tout de suite, mais je vais buter les tanks d'abord. Ok, il me reste une dernière tourelle. Wow. Bah, qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Je pensais les avoir détruits. Alors que non, c'est eux qui m'ont détruit. Ouais, salut. N'empêche, il a quelque chose à compenser, le truc. Hein. Il s'appelle Man-Mec. C'est-à-dire le... L'homme mec. Bah ouais, mais ils auraient pu faire des trucs sympas. Ces boss avec des attaques trop pétées, ça me saoule. Je vais arriver. Bon, il a l'air de tirer pas sur moi. Ça me va. C'est bon là, tu n'as plus de vie là. Bah je sais Pixel, c'est le principe du boss rush malheureusement. Pardon. Et il y en a surtout un, je vois même pas comment je pourrais le battre en fait, parce que j'ai eu tellement du bol la première fois que je l'ai battu. Je comprends pas comment je pourrais faire pour le battre. Ouais, forcément un interrupteur quelque part, mais... Il meurt? Ah bah merci. Après, il serait bien capable de faire en sorte que si t'actives l'interrupteur... ça a créé une explosion dans la pièce où l'interrupteur il est et tu meurs. Ça, c'est totalement le genre du jeu, ça. Je vais économiser mes munitions, hein. Je m'en voudrais pas. Thank you.
Hop là, easy. Ça, c'était vraiment très facile. Je vais vérifier un truc, mais ouais. Et on n'a pas fait les jeux les plus pourris encore. Enfin, bon, j'ai un peu foutu une autre sanction à Command & Conquer, mais je sais qu'il y a pire en vrai. Mais par contre, tu t'emballes peut-être un peu, hein. C'est pas dit qu'on le finisse, le jeu, là. Hop là. Salut. Ah, ça me rassure. On va essayer de lui tendre des pièges de ouf. Ah bah super, ça va pop. GG les pièges de ouf. Ah, je me suis mangé un mur. Le mot misord. Ah mais elle souffre que... D'accord, ça y est, j'ai compris. Je lui tente zéro piège de ouf en fait. Ok, bah je vais perdre de... Je vais perdre en fait. Il tire trop de trucs. Comment ça, j'ai explosé? Oh bordel! Y'a quoi là? Ah oui, bah oui, c'est...
C'est grâce à ça que j'ai tué les tourelles sans me faire trop voir. C'est ça que je cherchais. Voilà. Mais d'abord, je pense qu'il faut savoir rester simple et subtil. Bah ben là en fait ouais la porte elle s'est ouverte et je suis mort hein, comme si la porte elle m'avait écrasé. Et là qu'est-ce qui m'a tapé là? Ah oui, c'est vrai, attendez. C'était une mine. J'avais dit, hein. Souvenez-vous, j'avais dit. Attention, c'est des pièges. Ouais, c'est ça, ouais, bah voilà. Je vais mourir, encore, pour changer. Il me fait des feintes. Claquer mon ogive nucléaire encore. Bah je veux bien farmer. En vrai je veux bien farmer mais je sais pas quoi farmer du coup pas fameux. Boum, il s'est pris toutes mes mines. Merde, j'ai pas pris mon ogive nucléaire. C'est bien là depuis tout à l'heure là que c'était pas. D'accord, alors par contre. Eh mais c'est une vraie recharge d'armes ça.
Oh, ce serait con que je crève là. Il y avait du bouclier dans le coin ou pas du tout? Et là en fait après on te dit ah ah tu as battu le boss rush mais tu ne l'as pas fait en moins d'une minute 37 donc tu dois tout recommencer. Tintintin. Et là, je serais fortement déçu. Ah! Alors, où est cet interrupteur? Là. Ok, j'ai compris. De quoi? Pardon? Mais t'es mort 12 fois, bonhomme. Je suis mort! Putain! Ça veut rien dire! Quoi? Ici, c'est ça. Ah oui, mais non, mais. Ah non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Trop de monde. Il y a la musique de Robert Miles là, ça peut. Ça ne peut que bien se passer. Oh non, mais je vais crever. Putain, je vais crever. Mais c'est pas. C'est pas censé être le combat contre le boss volcan là? Qui a son missile, qui t'enlève tout son stuff et. Tout ton stuff et tout? D'accord, je pensais que j'avais le temps. Faut que je bute tout le monde ici. Je bute tout le monde et je fais apparaître un truc, mais je sais plus quoi. Mais alors la vraie question c'est... Ah voilà. Je savais qu'on pouvait récupérer ça. Et où est la dernière upgrade d'armes? Pour être complètement pété, merde, putain, il me voit.
Attends, y a pas une deuxième tourelle laser là? Oh, oh, oh. Ah bah elle était là. Super, donc je suis à deux doigts de mourir. Il n'y a pas d'upgrade de bouclier, je suis sûr. The door is locked. Franchement, petit bouclier là et on se met bien. D'accord, super. Ah, je me souviens plus de l'arnaque, merde. À part que j'ai plus de vie, hein. Ça, je... J'ai bien conscience que je suis dans la merde là, mais... Donc j'explose le truc là, mais je comprends... Ça c'est un peu bâtard parce que j'ai déjà explosé ce truc. Je me suis trompé de sens dans l'esquive. Ok. Ça c'est pas un boss que j'ai pas tué ça, j'ai déjà cassé tout ça moi. Pas normal de me demander de le redétruire. Oh bordel. Ah mais il fallait... D'accord, il fallait... Je m'attendais à je sais pas quoi en fait. Putain, on recombat le ramequin quoi. Ah ben attends, attends Pixel, parce que... Alors lui, je te jure, le boss, il est survénère. Hein. Lui, il est vraiment vénère, ce boss. Par contre, c'est bizarre, c'est pas Babalas, du coup. Je croyais que c'était Babalas, le boss de fin. Mais apparemment... C'est lui l'empereur l'empereur du mal. Ouais, incoming, c'est bien. Salut Sayonar. Ce n'est pas Dreadnought. Mais non, ça fait deux boss que je...
c'était le boss qui tourne en rond, Dreadnought. C'est écrit en bas à gauche, hein, le nom du boss. C'est ça, remis, vite fait. Ce boss est super dur. Je vais y aller vraiment comme une personne très très malhonnête et planquée et... et peureuse. Parce que finalement, je suis une personne malhonnête, planquée et peureuse. Si ça, ça passe, je crie au génie. Si ça, ça passe, je crie au génie. Voilà. Ok, ça passera pas. Ok. Il me lance son missile de merde. Son missile qui, je rappelle, peut faire des virages à 270 degrés. Hein. Mais genre sans sourciller. La vraie technique, c'est pas ça, hein, mais elle est, enfin, la vraie technique, je sais même pas si c'est une vraie technique, mais vu que la manière dont je l'ai battu la dernière fois, c'était super risqué, je ne préfère pas m'y aventurer. En fait, son missile, quand il touche, je perds tout mon stuff, en plus de prendre une grosse patate. Voilà. Ah bah c'était... Ah oui non, oui, ah oui, parce qu'il a deux types de missiles, c'est vrai, j'avais oublié. Il y a le missile qui te tape. Non mais pas la peine de me balancer la max tout de suite non plus, Pixel. J'ai pas encore baissé toute sa vie. Du calme. Mais non, mais tu crois en moi, mais non, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est... Tu me lances la solution alors que j'ai rien demandé. Totalement barré. Alors là, du coup, ce que je vais faire,
parce que je connais le niveau. J'y ai passé du temps. Oh bordel. Oh mais c'est... Ah. Alors il y a une bonne nouvelle à ça. Ah, faut que je fasse un reset. J'avais pas la cartouche de sauvegarde. Je suis arrivé sur le menu. Hop là. Alors, il y a une bonne nouvelle à ça. C'est que... Je lui ai dit que c'était le dernier boss. Trouver une manière plus ou moins... faisable. Pour le battre. Ah, où j'aurais dû lancer une partie multi. Ouais, c'est faisable. Si quelqu'un sait comment on farm des vies, à la limite, ça peut être faisable encore plus facilement. Mais bon, en l'état, on va faire avec ce qu'on a. Pourquoi j'ai pris le shield? Oh merde, ah ça c'était con. Attention, on se concentre. D'accord, oui, d'accord, on se concentre et il se prend le laser dans la gueule, c'est parfait. Et du coup, j'ai tiré le titan pas où je voulais, c'est pas grave.
Ah, parce que la première partie, oui, en 2021, il y aura toujours 60 Forever. Hein, je m'attendais pas à finir ça en 2 ans, hein, faut peut-être pas déconner. Par contre, je pense que j'aurais fini Forsaken. J'espère. Mais c'était super dangereux ce que j'ai fait là. Laisse-toi. J'ai tiré tous mes missiles bah pas là où je voulais les tirer en fait. Continue de me jeter des trucs, vas-y. C'est le deuxième, le mal droïde là où je sais pas quoi, là je vois pas comment le battre facilement. Je trouve pas d'endroit où le cheese un peu quoi. Crève, merci. Alors tout à l'heure par contre aussi on a appris un truc quand j'ai plongé dans l'acide, il y avait un interrupteur. Donc, je pense qu'il faudra activer cet interrupteur. Et peut-être d'autres. Enfin. Après, je suppose que Pixel a... Quand Pixel, il a lâché... il a lâché la max. Appuyer sur les 4 interrupteurs. Bah voilà, il y a 4 interrupteurs. On le sait. Par contre, aller dans le bas, vers le bas dans l'acide, je suis pas sûr parce que l'acide, ça m'a quand même déraillé. Hein. Ah, c'est pas grave. Pas grave. Non, honnêtement, dans 60 Forever, à moins que je. J'ai vraiment. Enfin. Vraiment envie de découvrir le truc. Et la prescription, on peut dire quand même. Hein. Là, ce que je comprends pas, c'est comment je passe sans m'en prendre. Ils se sont calmés là. Ah, ouais, ils se sont calmés. Je suis pas là. Les cons. Je leur ai dit que j'étais pas là, ils m'ont cru. Ocarina of Time, honnêtement, je connais déjà énormément le jeu. Pour me spoiler, faudra s'accrocher. En vrai, je considère rien comme du spoil sur Ocarina of Time, quoi, parce que...
Ok. Donc, c'était quoi? Où est le troisième PowerPod? Il était là, merde. Là, je perds énormément d'énergie à cause de ça. Bon, comment? Comment? Wow, what the f... Ah! En fait, en visant, en fait, j'ai trouvé la technique. En fait, en visant, ça marche. T'es fou, hein? Donc lui, alors, il nous avait mis une petite banane quand même. Hein, j'ai compris le principe, mais il nous avait mis une petite banane quand même. On va essayer de faire attention. On va essayer de perdre moins de vie que tout à l'heure. Ouf, 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 ouf. Ouais, j'allais dire, je crois que je me suis tiré dessus, mais ouais. Il a pris la max, mais... Je suis comme tiré dessus. Voilà, là je me suis encore tiré dessus. Putain. Mais cette arme qui sert à rien en plus parce que le boss il est même pas attiré par cette gravité artificielle. Ça fait plus de dégâts, ça. Enfin, quand je tire dessus.
a esquivé toutes mes mines. Oh le salaud. Ok. Ouf. Là, faut récupérer les bonus. C'est bizarre qu'ils aient remis cette mission là. Enfin. Là, ça fait vraiment. On savait pas quoi foutre. Alors qu'ils en avaient déjà mis bien assez. Hein. En plus, je suis en train de réfléchir, mais je crois que les seules fois où j'ai l'opportunité de regarder des runs d'Ocarina of Time, c'est à la GDQ, mais à chaque fois, c'est à sur le ça tombe sur le coup de 3-4 heures du matin, et du coup, bah, je les regarde jamais. Il y en a, si. Tu vois, c'est là où tu te trompes en fait, Pixel. Et des fois, il y en a assez. Et des fois, il y en a même trop. Je crois que j'ai oublié un power pod par contre. Ah bah ouais, il était juste à l'entrée. Il faut que je détruise les 4 missiles, les 4 lance-missiles. Et toute cette salle là aussi parce que j'avais oublié. OK. Olé. Ah c'est bon là, ça va bien se passer là. Je le sais, je le sens. Voilà. J'espère que vous aussi vous le sentez. Ça ne peut que bien se passer. Alors, je vais quand même
tout détruire parce que je sais pas si... ça se passera... enfin, j'ai peut-être fait un bug tout à l'heure, tu vois, j'en sais rien, je préfère... Peut-être qu'il y avait un truc qui devait se déclencher et ouais voilà, j'ai pas... Non, ok, c'était vraiment fallait tuer tout le monde. Ça marche. Voilà, donc là il me dit clairement le jeu, c'est le boss de fin. Des bisous. Oh, j'ai explosé le missile avec l'autre missile. Merde. Bon, c'est pas grave. La technique avait bien marché. On la recommence. Hein. Ah, je m'en fous, hein. J'ai pas de scrupules. Hein. Vous avez vu ce qu'il met? Oh, c'est indécent. C'est moi ou ça se passe pas du tout aussi bien que la dernière fois là? Voilà. Ouais, non, mais les dégâts, ils sont affolants. Alors. Mais bordel de chiottes, pourquoi j'arrive plus à esquiver ces coups? Moi je pense que c'est juste que le boss il m'aime pas en fait. Putain. Et la trajectoire de ces missiles, je crois que c'est ce qui me rend le plus ouf en fait. Oui, c'est lui, oui.
Par contre, je le redis, hein, je reste sceptique du coup. J'ai regardé maintenant. Le fait d'aller dans l'acide, ça c'est pas possible. Ou alors, je me suis pris des gros shoots en même temps que je plongeais dans l'acide, mais... On verra, on va essayer d'y retourner. On fera une safe state. Avant le boss. Sauf qu'on pourra pas parce qu'on est sur une vraie console, mais c'est pas grave. Merde. Ah putain. Il se barre ou pas encore? Ok, je pense que là il va se barrer. Je pense que là il est en mode je me barre. Ouais, il s'est barré. Donc on va récupérer les power-up. Oui, alors par contre, voilà, merci parce que. En fait, moi, c'est surtout ça que je voulais. Le reste, je m'en fous. Golden Power Pod. Et en voiture, Geneviève. Ok. Qu'est-ce que je dois faire, putain? Ok, j'ai compris ce qui s'est passé. Tout à l'heure. Il m'avait fait son missile qui... Il m'enlève mon stuff. Comment je te tue? Comment je le tue? Putain, ça me rend ouf. Je peux rien faire, mais je peux rien faire. Il faut que je... J'ai plus qu'une vie. Faut que j'aille dans l'acide ou pas? Tout à l'heure j'ai pu être dans l'acide sans me prendre la max et là j'y suis retourné et paf j'ai pris la max direct quoi. Je comprends rien. Et le missile qui a refait une trajectoire à l'armure moelleux. Ah je comprends pas là.
je comprends vraiment pas. J'imagine que si je restart mission, je reprends à partir du tout début. N'est-ce pas? Ah, le boss de fin, il est au-delà du punitif, là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? On va tricher, hein. Je triche, hein. C'est pas grave. Hein. Merci. Wow. Ah oui, d'accord. Tu vois que le... Oh bordel. Je triche. N'inquiétez pas. Je triche en x2. D'accord. Mais là, il y a du skill là dans cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas faire ça, moi. Oh bah voilà le bordel. Non bah en fait c'est... Ok, c'est bien. C'est... Bah c'est bien. Bah c'est pas pour cette fois, hein. Non mais remonte! Je me suis fait pousser, je sais même pas par quoi. Et sans tes vies, c'est-à-dire sans mes vies. Bon bah écoutez, c'est le dernier essai et puis après j'en ai marre, voilà. Non, quand tu resets un niveau, ça te remet tes vies. Mais par contre, je suppose que ça recommence au début, quoi. Parce qu'en fait c'est ça l'astuce, c'est quand tu sens que tu vas fail, tu resets le niveau et paf, tu récupères toutes tes vies. Sauf que là, à mon avis... Si tu fais ça, tu repars tout. Au début.
Mais ce que je peux faire, c'est je peux battre ce boss là et essayer. Comme ça au moins on sait. Je sais pas. Ah mais... Ah eux, ils sont chiants eux. Eux ils ont plein de vie et ils bougent partout et ils sont chiants eux. Je sais pas si je vous avais dit qu'ils étaient chiants mais en plus ils sont chiants. T'étais bien comme ça, rien faire là. Oui, je vais mourir. Ah, le fait est que même si je revenais avec toutes mes vies sur le boss, je saurais toujours pas comment le battre. Parce que c'est indécent. Les dégâts que tu te manges, c'est indécent. J'ai pris la max là. Il vient pas? Ah si. Coucou. Alors attention. Ok. Alors vais-je re-réussir l'exploit de ne pas mourir sur le deuxième boss? En plus, ce qui est ultra relou, c'est que c'est pas juste un boss rush. C'est un niveau de boss rush. Et ça c'est méga relou. Ah ouais, attends, il se passe quoi si je restart maintenant? Alors ça sent bon ça. Ça c'est une info intéressante. Ça
Ça, c'est une info intéressante. J'économise les tirs hein, et j'ai oublié de compter là donc. Ah mais non mais. Ah bah oui mais non mais je suis pas en puissance 3 donc je sais pas en fait. J'ai pris qu'un seul PowerPod. Je dirais même très très bon à savoir. Ouais. D'accord. Ouais, alors là par contre niveau visée Qu'est-ce que je fais? Bah je tue le boss, voilà. Voilà monsieur Léry. Qu'est-ce que je fais? Avez-vous un problème? Est-ce que vous aimez pas quand on tue les boss, c'est ça? Attention moi. Merde. Je reste appuyé sur le touche de tir et je vise pas en fait. Tu vois, je me ferai pas avoir. Ok. Alors je crois que j'ai jeté les mines là où il fallait pas. Hein. Ne m'en veuillez pas. Ne m'en veuillez pas. Au calme.
Ah si, ah mais c'est les mines qui tirent celles-là, elles sont bien. J'aime bien les mines qui tirent. Merde, bon bah là. Un peu raté. Oh le bâtard. Il a survécu. Boum. Bah ils ont détruit l'humanité, donc en quelque sorte. C'est un point de vue qui se défend ce que tu dis là, Gandalf. Waouh, shield critical déjà. Ok, faut se calmer par contre. D'accord, j'ai touché avec aucun tir. Ok, je vais crever une... Je vais perdre une vie ici en fait. Alors ça c'est pas cool. Ok, je les ferai plus tard. Ah, je dis tout le temps les tourelles laser. Ah! Oh là là, n'importe quoi. Il meurt en faisant n'importe quoi, la suite ne va pas vous étonner. Ok. Ok. Je peux peut-être toujours m'en sortir. Si j'ai pas oublié de tourelle, je peux m'en sortir. J'ai jamais joué à MechWarrior. J'ai un pote qui l'avait. Enfin non, j'ai un pote qui avait un épisode sur PC il y a longtemps. Mais moi j'ai jamais joué.
Oui, bah ouais. Ouais, le concept, je... Vous le connaissez. Bah, je peux pas tirer dessus, hein. Faut vraiment que je bute tout le monde. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Merde, pas qu'il y a un ennemi là, mais il y a un peu un ennemi quoi. Ok. Mag. Golden Power Pod. Yeah, c'est le Golden Power Pod. C'est bon là, je sens que c'est bon là. Je sens qu'on sait, on sait comment tricher. On sait, ouais, ça je savais par contre effectivement. Mais il y en a sur plein de supports en vrai, je crois. Hein. Peut-être. C'est possible quoi. Et sinon, vous, ça va? Mais non, attendez, c'était pas là mon super spot de la mort. Là. Et là, il apparaît. Et boum! Je suis patient. J'attendrai. Et merde. Oh, ça speedrun avec des cheats quoi. Ah bravo. Merde, j'ai pas le temps de lui faire rien. Pas le temps de lui faire rien. Enfin si, en fait je lui fais rien. Ouf. Je l'ai pris en pleine face. Bah après ça doit dépendre des catégories hein. Et des jeux, je suppose. Je suis à peu près certain que la strat que je fais là, c'est pas la strat du speedrun. Je sais pas pourquoi hein, mais j'ai cette impression. Aïe. D'accord, faut que je tire dessus par contre, parce que sinon ça marche pas.
Ok. Je pense que c'est bon, il s'est barré. Pas du tout. Mais ferme-toi, mais taisez-vous avec vos incoming missiles là. Monsieur, voyons. Bon, c'est bon, là, il s'est barré. Bon, il s'est barré. Alors. Ce bug, pourquoi là je suis pas pris par la cible et là je peux plus sortir? Ah, je comprends rien. J'ai activé le dernier interrupteur. Easy peasy. The complex has been destroyed. The masters of the Mechanoid defense forces have been defeated. The enemy forces now lie in disarray. Their leaders crushed. The way was now open for the once nomadic human tribes to make their way home. An undiscovered realm awaits the inquisitive humans. Bon bah j'arrête de faire mon doublage. Ah mon dieu. Putain, à la fin c'était une horreur hein, quand même. Bon alors on lui met combien à ce jeu? On lui met combien? Parce que il est pas mauvais hein. Enfin, je peux décemment pas dire que c'est un mauvais jeu hein. Ça c'est... Ce serait mentir. Mais là... Il y a sniper sur 20. Oh pas tant que ça. 14 sur... Ouais, 14, 15. Donc, ramènerait ça à 3,5 sur 5 du coup, vu que je note sur 5. Pas pourquoi je note sur 5 d'ailleurs. Mais... Le jeu techniquement, il est... Enfin, j'ai trouvé bien, moi. Enfin, surtout la fluidité, quoi. Je trouvais ça vraiment ouf. Un petit 3,5 sur 5, je pense que c'est pas mal.
La musique est... Alors... La musique, elle n'est pas mauvaise en elle-même, je trouve. Par contre, elle est très répétitive. Les boucles sont très très courtes. Ce qui la rend un peu relou à la longue, en fait. En fait, il y a plein de trucs qui sont bien. Mais pas poussé au bout, quoi. Je prépare 2-3 trucs, hein. Bah, c'était moi que j'avais gagné. Voilà. On va faire le raffle, hein. Je suis pas un salaud. On va faire le raffle maintenant, faut pas déconner. Donc le raffle. Bon bah voilà, on a détruit les machines, on a ramené la possibilité de la vie sur Terre. Pas bien. Ah bah oui, ah, on va sauvegarder. Attendez, c'est important ça, on sauvegarde. Le fait qu'on a fini le jeu, quand même. Attendez. Je delete ça, voilà. Ça prend de la place sur la carte mémoire, mine de rien. Et pour être sûr, je re-sauvegarde, voilà. Ok. Eh bah écoutez, on fait le raffle. Et on quittera sur ça, on n'aura pas lancé le jeu de golf du coup, hein. Mais c'est pas grave. Petit raffle, alors attendez. Le raffle, c'est... Raffle! Donc point d'exclamation. N64 pour participer au raffle et choisir le prochain jeu. Je reviens deux petites minutes, j'en reviens. Alors, s'il y a qu'un seul participant ou participante, mais je viens de le dire, les gens ils écoutent pas, c'est terrible. Pour choisir le prochain jeu. S'il n'y a pas de gagnant ou qu'un seul participant, ça va être vite plié. Hein. Alors si c'est aller à quoi qu'il gagne, elle gagnera pas bien sûr. Ah t'as déjà gagné deux fois, c'est bon. On va laisser les autres un peu. Rohiro Haro, vite, tu peux choisir le prochain jeu, vite, point d'exclamation N64. C'est pas grave. Je prends le premier jeu. Je peux même prendre le premier jeu du pif qui vient. Hein.
Moi, quand j'ai dit au Raphaël la dernière fois, j'ai pris un jeu de golf totalement au pif. Parce que j'étais sûr que personne ne choisirait que ce serait le jeu du cœur de personne. Donc je me suis dit, allez hop, c'est parti. Il y a la liste qui est ici, hein, si jamais vous voulez vous... Vous prenez que les jeux PAL. Enfin, donc PAL, PAL US, PAL JAP, PAL tout, quoi. Mais il faut que ce soit PAL, voilà. C'est sorti par chez nous. Les jeux PAL, voilà. Vous voyez un visage PAL, eh bien, il faut un jeu PAL, voilà. C'est comme ça. C'est fini. Bon, bah 5 participations. Bah c'est pas beaucoup, mais... Ah, juriste. Dommage. Dommage. Bah c'est écrit en fait. C'est écrit. T'as la liste des jeux. T'as les jeux PAL. Regarde, la première liste, c'est... Jeux PAL, jeux JAP, PAL et US. Voilà. La deuxième liste, c'est jeux. Jeux PAL et JAP. Puis t'as jeux PAL et US. Exclusivité JAP, exclusivité PAL. Enfin, c'est écrit, quoi. Alors, tirage au sort. Tirage au sort. Non, mais alors, Dana, elle a été faite 10 messages plus haut. Et déjà, quand elle a été faite 10 messages plus haut, elle avait déjà été faite beaucoup trop de fois. Allez, c'est parti. Qui c'est qui a gagné? Ah bah voilà. Saenar, grâce à son humour, a remporté le raffle. GG. Donc voilà, n'hésite pas, hein, balance n'importe quoi. Hein. Petite information, juste au cas où, le prochain jeu est un jeu de golf. Et je sais pas. Ah, oh, oh bah alors là, Diddy Kong Racing, je vous préviens. Diddy Kong Racing, je vous préviens. On prend tous les ballons d'or, toutes les clés, toutes les pièces. On se fera chier au bout de l'infini. Mais j'ai adoré ce jeu et je compte bien le refaire à 100%. Ah oui, non mais c'est pas que je vais aimer Jamais de bol, c'est que j'aime. J'aime le jeu. Point. Je vais déjà lui mettre la note de 4,5 sur 5. Hein. Et spoiler, hein, je mets la note. 4,5 sur 5, c'est mis. Voilà, ça y est, c'est acté. C'est le premier jeu de Console Mania qu'on fait, que j'ai déjà fait, que j'adore. Et voilà, et je connais aucune stratégie de speedrun, donc je n'ai rien à créer, rien du tout. On verra vraiment le jeu en mode nature. Hein. Non, je mets pas la note, hein, je déconne, hein, parce qu'on sait jamais. Donc, prochain jeu, Diddy Kong Racing. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, ça. Je vais le mettre, là. Prochain jeu. Et puis, bah, le stream est fini, par contre. Hein, mais prochain jeu... Et ce sera le 10e jeu. C'est-à-dire que quand on aura fini ce jeu-là, Diddy Kong Racing, et bah ça sera le 10e jeu. Du coup, ce qu'on fera, c'est que pour continuer l'émission, il faudra payer 50 000 bits. Voilà. Et ça vous donnera le droit de revoir 10 autres jeux. Voilà. C'est comme ça. C'est pas vrai, hein. Pas vrai.
C'est ce que j'allais dire. Yuris, tu... J'allais dire ça. J'ai exactement. Tu es trop prévisible, Yuris. Bref, non, non, donc c'est pas vrai, hein, je déconne. On continuera normalement. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Donc je vous dis bah merci d'être passé. Je suis content d'avoir fini Forsaken. Je rédigerai le petit test, hein, comme je fais d'habitude. À demain pour. Bah, enfin. Normalement, il y aura stream demain et ce sera du Lamulana, du coup. Ah! J'y avais pas pensé! Bonne idée, ça, Uriste. J'y avais pas pensé. Donc, si vous voulez voir Lamulana demain, il faut qu'on arrive à 65 subs. Voilà. Avant la coupure du stream. J'en suis à 10. Enfin, même pas, je crois. Bref. La bonne nuit, et puis à la prochaine, hein, voilà, j'ai envie de dire ciao.